Alors, différence, éducation en Haïti avec éducation ici, c'est deux systèmes différents. Et moi, pour pointer quelques différences, je ne dois pas pointer toutes, mais quelques différences, plus grosses différences. Par exemple, vous avez ici, aux États-Unis, vous avez l'école publique, c'est lui-même qui est fondamental. Là. Ça veut dire lui-même qui n'en a question d'éducation. Hein? Et vous jouez l'école privée là-dedans. Mais en Haïti, malgré que ancien constitution, depuis la constitution 1806, il a demandé pour gagner un système d'éducation qui privé pour tout le monde capable d'avoir accès à l'école. Mais cependant, nous avons gardé journée aujourd'hui, ce n'est pas ça qui fait. Parce que 80% dans l'école, nous avons dit jardin d'enfants jusqu'à 12e année. D'après les statistiques, 80% l'école, c'est l'école privée. Donc, ça veut dire qu'on manque d'accès à l'éducation pour les gens qui sont marginalisés. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de chance pour payer, puisque les parents n'ont pas de chance pour payer l'école. Pour eux, ils ne doivent pas aller à l'école. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième différence qui gagne, c'est que ici, l'éducation ici, est obligatoire. Surtout dans Massachusetts, chaque État gagne un règlement. Mais ici, dans Massachusetts, est obligatoire. Un petit monde de l'âge en 5 ans jusqu'à 16 ans. Ça veut dire que un petit monde, tout petit monde qui gagne 5 ans ici à partir de 31 août ou bien 1er septembre, il doit rentrer à l'école dans le jardin d'enfants, ça nous relève en jardin d'enfants 2, l'école maternelle. Yo. Mais cependant, petit monde qui est handicapé ou bien qui gagne problème d'éducation spécialisée, yo éligible tout dépend de qui dans qui catégorie disabilité ou bien éducation spéciale yo yo éligible pour entrer l'école dans l'école l'état yo à partir de 3 ans d'après la loi depuis petit moun nan yo et c'est ça yo relé éducation précoce là parce que tout petit moun qui gagne handicap yo gagne yo pral gon retard quelconque dans question académique donc à cause de cela l'État m'a dit depuis petit moun nan yo gen tan identifier le bien bonheur et fini ou fini identifier li yo voyé une information ba parents pour pas avec toute l'école l'État yo parce que l'État nan côté ti moun habité a nan ville côté le rete a li supposé entre l'école a y a font évaluation pour li et puis depuis yo jeune éligible l'a commencé li même dans l'école nan maternelle 0 depuis à partir de 3 ans ça son deuxième différence troisième différence qui gagne c'est que si moun allé l'école n'importe côté ou vle en Haïti ou gen doit arrêter Carrefour à l'école Pétionville mais et ou gen doit aller non lycée Pétionville même sous arrêter Carrefour mais cependant ici aux États-Unis et dans Massachusetts dans ville ou rete a li extrêmement important pour parents comprendre ça dans ville que ti moun arrêté a c'est là l'aller l'école donc ou pas qu'à rete Randolph et puis ou pral inscrire petit ou dans Brockton ou bien dans Boston. Si ça arrivait et puis yo vinn réaliser c'est ça qui a passé ou a gagné une amende pour payer et gagner de ti moun qui n'a pas même joint diplôme l'école secondaire yo parce que yo t'ai fait tout le temps dans l'école l'état yo pas traité dans ville mais gon exception dans règle ça exception c'est que ou gagne droit rester dans Randolph ou t'ai habité dans Randolph et puis ou vinn pas gagne côté pour rester côté rete a peut-être yo mettre dehors ou pas ka payer caillou etc. Donc, c'est dans Randolph, petit, ou toujours à l'école, même si ou t'as allé dans le shelter. Donc, ou gen droit à rester Randolph, ou pas gen côté pour rester, yo voyo al rete dans le shelter, Framingham, ou bien dans n'importe l'autre ville, dans Massachusetts, là. Donc, ou l'école, dans le district, depuis l'école, petit, ou t'es dans l'école, en l'état, dans le district, côté li rete, li supposé aller à l'école et à bali transport, moyen de transport pour venir l'école, aller-retour. Pas de problème. Gagné yon lot bagay encore, on lot différence. An nou gade aspect académique yo. Par exemple, ici dans Massachusetts, c'est 185 jours l'école qui gagne pour année. Supposons, puisque nous étions dans le nord, nous toujours gagne neige. Supposons que gagne neige pour yon jour, pas de gagne l'école jour ça. Dans fin année, nous supposons remettre jour. Ça veut dire si moun nan pral l'école, si l'école t'a pouvri, t'a fermé 20 juin. À cause de journée déjà, l'école a fermé 21 juin. Gagnons l'autre bagarre encore. Toute l'école, ici dans Massachusetts, si vous supposé faire pour Pipiti,
7 heures de temps par jour l'école. Ça veut dire que l'école a commencé à 8 heures, vous finissez à 3 heures et vous faites 185 jours. C'est une différence qui gagne ici avec l'école en Haïti parce que nous gagnons de l'école ou aller matin ou bien aller après-midi, vous pas fait toutes 7 heures de temps. Et les WAP évaluer ou garder ou capable de une grande différence parce que le nombre de jours l'école a multiplié par le nombre d'heures, la quantité d'heures d'après la loi pour tout le monde aller à l'école. Ça, c'est quelques différences qui gagnent. Et dans l'autre aspect académique, c'est que Haïti, tout le temps, on a dit qu'on fait 13 ans l'école. Oui, c'est vrai. Parce qu'on commence en première année, on finit jusqu'à philo, dans la quatrième année, nouveau secondaire. Mais cependant, dans la loi, Haïti, le map gade qui règlement qui gagne, nous gagnons un règlement l'école primaire, il exige pour tout le monde à l'école à 6 ans en Haïti. Ça veut dire que on parle qui pas capé l'école, il pas c'est pas un problème si tout le monde n'a pas l'école à 3 ans, 4 ans, 5 ans, malgré ici même aux États-Unis, il exige pour commencer l'école à 5 ans dans jardin d'enfants. Alors dans quelques états, mais dans Massachusetts, tout le monde qui gagne 5 ans à partir du 1er septembre supposé à l'école. Et l'homme dit à partir du 1er septembre là, ça veut dire que si tout le monde était fait 20 septembre, 24 septembre, il n'est pas qu'à rentrer dans le jardin d'enfants parce que c'est promotion sociale qui gagne avec l'âge. La promotion sociale avec l'âge, non, tout simplement, veut dire que tout le monde qui est dans jardin d'enfants, bien dans première année, nous prenons exemple jardin d'enfants de préférence, tout le monde qui est dans le jardin d'enfants, il a commencé à 5 ans. Si un petit monde peut gagner 5 ans en septembre, la publicité a été tendue l'autre septembre pour rentrer à l'école pour être capable de gagner 5 ans dans le jardin d'enfants. Donc ça c'est une différence tout avec Haïti parce que on ti moun gen doit gagner 14 et d'ailleurs d'après dernier statistique yo que m'tap voyon coup d'œil sou yo ou gen ti moun ki gen 16 ans, 14 ans, 15 ans yo poukou de son certificat en Haïti alors que ici tout ti moun ki fin fè 5e année c'est on yo gen 11 ans en septembre y ap rentre dans 6e année. Donc tout ça yo c'est différence pour parent ta konnen que le ap inscrit ti moun yo. Il y a un autre élément qui est important, alors il est capable dans quelques cas valables tout pour Haïti. Il y a un élément qui est important dans la question d'éducation, c'est que tout le monde qui vient à l'école, qui rentre à l'école, par exemple, vous êtes en Floride, vous voyagez, vous venez ici en avril, donc vous avez le droit d'aller dans l'école l'État, ici, même si vous venez en mai, même si vous venez en juin. Pas de question parce que l'année l'école a presque fini ou pas qu'à rentrer. Donc, parents qui rentrent peut-être en octobre, en novembre, parents qui rentrent en avril, ils ont droit à mettre petit à l'école. Éducation ici, ou gagnent commencé jardin d'enfant à 5 ans, ou fini à 18 ans. Ça veut dire, nous avons dit 99% de monde qui t'a gradué, t'a gagné 18 ans. Mais gagne deux fois et ils pas permettre ici, on ne peut pas doubler autant que ou pas fait bien. Donc, dans la première année, vous avez droit à doubler classe une seule fois. Dans l'école moyenne, ça nous est en anglais junior high, ou du moins l'école en middle school, en 6e, 7e, 8e, ou fini l'école, leur rentrée dans l'école, vous êtes capable de doubler une fois tout, et puis vous êtes capable de doubler tout en fois dans l'année secondaire. Donc, ça veut dire que tu es capable peut-être de finir l'école en 19 à 20 ans si tu doubles en classe ou doubles de classe. Cependant, après que tu as fini en 20 ans, l'école est automatiquement capable de mettre dehors l'école parce que tu as déjà 20 ans, parce que tout le monde est supposé graduer à 18 ans. Mais il y a une exception. L'exception qui gagne, c'est que tout le monde qui a un handicap, par exemple, si vous avez un trouble quelconque, vous avez un problème d'apprentissage, etc., d'après la loi, vous êtes capable de venir jusqu'à 22 ans. Ça, c'est pour le groupe Timoun. Il y a un autre groupe tout qui est capable de venir jusqu'à 22 ans. C'est Timoun qui a un écart, qui a un écart dans l'apprentissage, soit dans l'école primaire, secondaire, ou bien Timoun qui n'a pas déjà mal à l'école. Par exemple, ici, il y aurait les SLIVE, ça veut dire élèves qui gagnent en retard dans l'école, pas parce que gagne un problème d'apprentissage, mais c'est parce que soit vous n'avez pas accès à l'école, ou bien côté vous êtes à cause de problèmes économiques, vous n'avez pas à l'école, et parmi vous,
haïtien rentre dans catégorie ça yo parce que nous connaît tout problème qui gagne problème politique problème social économique etc. l'école trop loin ou pas ka marcher et puis ti moun nan pas fait même s'il t'a fait année l'école en pile fois c'est le nous évaluer li nous garder nous ouais que yo pas gagne 3 mois en plein école à cause de yo à cause l'école a fermé tout temps etc. Donc ça yo c'est de grandes différences qui gagne entre ici ensemble avec en l'école Haïti sous question académique tout il y a de très grandes différences. Il y a une différence, c'est que question étudiée par cœur, excepté si on va pas apprendre un poème, etc. Ou capable, peut-être apprendre par cœur. Mais cependant, instruction, chita plus sous question compréhension, compréhension lecture, compréhension problème dans mathématiques. Et puis avec un pile projet, ça veut dire éducation ou bien instruction en un sens pratique. Côté si on fait un projet ou gain droit, alors c'est méthode là ça. Côté ou à faire ou utiliser bagage pratique pour capable faire un projet et puis ou présenter projet hein, pour capable évaluer performance. Donc ça c'est une très grande différence qui gagne tout ensemble avec Haïti malgré que gain quelques écoles qui vraiment fait projet, etc., mais éducation plus chita sous projet. L'autre différence qui gagne encore, c'est que, par exemple, ici, en Haïti, vous gagnez pour descendre certificat, et puis vous gagnez pour prendre examen, pour examen dans la dernière année de l'école, pour capable aller dans l'université. Ici, il y a un petit genre différent. Depuis qu'on élève dans l'école d'État, il y a un examen pour le prendre chaque année, pour être capable de garder est-ce que l'école a fonctionné bien, est-ce que l'école a répondu à l'exigence que l'État mettait, parce que toute l'école publique, ici, toute l'école d'État, yo, yo en bas, ça y aurait le département éducation de Massachusetts, lui-même qui en bas, département éducation fédérale. Donc, nous gagnons que l'examen que Timon Sao prend, il a commencé par exemple dans le jardin d'enfants jusqu'à la deuxième année. Yo font en qualité examen côté y a gardé développement lecture ti moun nan avec développement li tout dans mathématiques tout ti moun qui dans jardin d'enfants je rive jusqu'à deuxième année c'est examen ça yo prend mais à partir de troisième année examen yo prend examen l'état malgré que yo pral prend examen en classe là pour yo garder examen final yo prend pour professeur Kawe qui sait apprendre etc. mais yo gon l'autre examen pour yo prend tout. À partir de troisième année, ils ont commencé à prendre examen qui relève en anglais MCAS. Ça veut dire son évaluation que ils bail dans Massachusetts pour être capable de garder est-ce que si mon enfant apprend ça, l'État te mette sous pied pour l'apprendre. Toute l'école l'État dans tout État dans États-Unis, ils ont gagné examen par eux. Par exemple, Floride a gagné FCAS. Ça veut dire c'est assessment ou bien évaluation. Et en Floride pour yo garder son système d'évaluation qui gagne en Floride pour yo garder même j'en nous-mêmes nous gagne MCAS son système d'évaluation que yo gagne pour yo garder qui ça élève yo à pour mettre et puis là tout yo tout bail l'école yo kané par exemple si chaque année ou supposé augmenter quantité nombre ou bien quantité élève qui a passé yo dans examen ça yo élève qui pas passé yo yo marqué et l'école là tout gagner li pa pral payer une amende économique mais en même temps tout gagne pile l'école gagne de le convin sous tutelle l'état à cause que les regarder performance élève yo li pa répondre à exigence ça l'état mandé pour ti moun yo répondre gagne dans question pendant n'a parlé de affaire académique là n'a tout garder qui gens élève yo qui gens ba examen ça à partir de troisième année yo commencer évaluer l'état voyer examen parle pour yo ba ti moun yo dans mathématiques ensemble avec dans lecture avec écrit rédaction naturellement dans le rive dans 5e année yo prend examen mathématique là yo prend examen lecture hein, avec rédaction et puis ensuite tout yo prend examen science dans 5e année le rive dans 6e 7e 8e année yo continuellement prend trois examens ça yo et puis le rive dans 9e 10e année yo prend examen c'est dans 10 examen yo prend dans 10e année ya. Alors l'école là obligé suivre trace timonan pour voir est-ce que la fait progrès en chaque année et puis l'état tout li gen statistique yo gen donné yo nan meni yo garder qui gens élève yo a performé par rapport à exigence que yo même yo tabli pour toute l'école suivre yo nous gagné nan le rive nan 10e année le élève rive nan 10e année ça passé
c'est que yo pon examen et c'est examen ça ou capable égaliser li ou bien ou capable comparer la avec examen yo fait dans baccalauréat en Haïti. C'est dans 10e année a élèves yo gagne pour yo prendre science, yo gagne pour yo prendre mathématiques, yo gagne pour yo prendre lecture et puis yo gagne pour yo prendre pour yo faire en rédaction dans 10e année en plus ou moins dissertation. Ça arrive là, c'est là qui va le déterminer. Alors que nous-mêmes, c'est là nous finissons net, nous prenons examen en Haïti, nous même nous prenons dans 10e année. Et c'est dans 10e année qui va le déterminer est-ce que l'élève ça a capable de diplôme l'école secondaire. Il y a une différence. La différence là, c'est que si vous pas passez examen et l'on prend dans 10e année, vous commencez à aller en mars, dans l'année que l'élève a fait 10e an. Et puis, il y a une chance encore, il prend en mars et puis généralement, il prend science là dans le mois de juin, dans le commencement du mois de juin avant l'école fermée. Mais ça vient arriver, si l'élève n'a pas passé, il y a une chance encore pour le prendre, même examen ça en novembre, et puis il pourrait prendre encore dans l'autre mars, dans l'autre novembre, etc., jusqu'à ce qu'il passe. S'il n'a pas jamais passé, l'élève a gradué. Il est extrêmement important pour nous en noter ça. Le élève l'a gradué s'il pas jamais passé examen MCASIO, mathématiques, lecture avec rédaction dissertation yo, il y a pas ballon diplôme. Il y a bali un certificat qui dit que élève ça était dans l'école là soit à partir de 9e année jusqu'à 12e ou du moins était l'école là pendant année 12e non ou du moins était l'école là pendant année en 10 jusqu'à 12 etc. Mais il n'y a pas de diplôme. Pas de diplôme veut dire que il n'est pas capable d'inscrire pour aller dans l'université. Il n'est pas capable de tout rentrer dans l'université pas avant que le passé test ça. Donc c'est une très grande différence qui vient. Alors dans le baccalauréat, on doit prendre examen en juin, on prend en septembre, et puis on ne peut pas passer ou le doubler. Ici, ce n'est pas ça, on commence depuis la 10e année jusqu'à ce qu'on passe. Et si on ne peut pas passer, on ne risque pas de diplômer malgré que on prend un certificat de présence. Ça veut dire que on est dans l'école là tout le temps, on est fini, mais cependant, on n'a pas rempli l'exigence que l'État de Massachusetts mandé pour remplir de quoi pour capable aller dans l'université. Si toutefois, ou passer, on élève passer tous les deux tests, ou passer tous les temps alors, mais il gagne plus, mais mettez plus en phase sous mathématiques là, ensemble avec, sous mathématiques, ensemble avec sous rédaction, avec lecture. Donc, ou gagne chance si ou fait compétent et puis avancer. Par exemple, vous faites yon compétent yon avancé, ou bien vous faites deux avancés, ou gen chance pour n'importe l'école l'État de Massachusetts Université, yo, que peut-être dans l'autre émission nous avons parlé, question université, ya, je dis, je m'a plus concentré sur question jardin d'enfants jusqu'à 12e année. Que si tout le fait li avancé dans tous les deux matières, dans mathématiques, ensemble avec dans lecture, en écriture. Donc, il y a une chance pour yo bali on lot pour yo bali on bourse. Ça veut dire que toute l'école en université l'état autant qu'on tout you mass yo tant qu'on Dartmouth, Lowell, you mass Boston, Amherst etc. Et puis avec l'autre l'école l'état yo tout yo gen yo capable aller avec papier ça y a pas rentrer yo pas payer l'école là. Bon yo pas payer frais yo etc. mais yo pas payer l'école là. Donc c'est en gros ces différences yo peut-être nous ta gain droit non l'autre émission toucher tout aspect chaque différence pour météo qui avantage avec désavantage les gains sous élèves cap venir.